détection. Alors, si vous avez remarqué, j'étais en vacances 2 semaines en Italie avec le drapeau. J'aime fier des détectoristes. Je dis toujours que j'aime la détection. Fier des détectoristes, le drapeau français. Et que les Italiens, bah, je sais pas leur réaction, ils ont trouvé ça bizarre. Mais bah là, comme on n'a pas trop posté de vidéos, bah là je vais en poster une détection où on m'avait filmé, où j'étais filmée en émission. Alors j'espère que cette vidéo va te plaire. Bye. Voilà, nouveau son pour ma part dans ce trou là. Je sais qu'il est sorti mais je sais pas où il est. Ah, voilà. Et une médaille religieuse. Moi avec voilà donc de côté nickel, première découverte de la journée pendant ce temps que Sarah est tout là-bas. Il y a la télé avec nous aujourd'hui qui nous suit dans notre sortie de détection. Il y aura un reportage qui sera fait avec les archéologues. Donc voilà, on est suivi aujourd'hui par monsieur Perry Piquel. Un nouveau son dans ce trou ici qui tapait très fort. 76 profond. Là je suis à. Qu'est-ce qu'on va dire là? Pour vous situer. Voilà. Plus long que le pinpointer. Donc une fois et demi le pinpointer. Ah, j'ai découvert un truc vraiment génial, je vais vous montrer ça de suite. Il s'avère du marteau de Thor. Regardez voir ça, découverte archéologique. Marteau de Thor, tout en acier. Si c'est pas bon. Seront dans ce trou ici avec une valeur indice 86 et là clé de remontoir à Morbier, fantastique.
Roncouille. Ouais, alors là, je rêve de trouver un truc super bien. Voilà, bah, ça fait quand même 4 heures qu'on est là. Ouais. Et la pauvre Sarah, il fait chaud. Bon, alors on a bon sens, cette fois on croise les droits, on fait presque un live, on verra ce qu'elle nous sort de là. Allez, on avance Sarah. Je coupe, je vous reprends tout à l'heure. Ouais. Ferraille. Non. Encore. Non. Fer à chevaux ou quoi? Non, mais là c'est un peu plus gros. Oh, mais non. Moi j'ai trouvé le marteau de Thor. Et toi, t'as aussi trouvé le marteau de Thor? Il y a besoin là. Oh purée. Le marteau de Thor. Attends. Ah non, c'est une pièce à tracteur. Je pièce de tracteur, une pièce de remorque de tracteur. Ah non, de... D'accord. Et on aurait presque cru. Ouais. C'est une pièce pour fermer le timon des tracteurs. Ah, mais non. Journée de merdouille. Oh, ça sera peut-être mieux la prochaine fois. On verra. Bon, ouais. Il commence à pleuvoir. On ne sait pas si on va devoir arrêter ou pas. Ouais. On verra ça après. Super. Bravo. Elle se situe là. Une monnaie. C'est la première de la matinée. Et ça me paraît être 20 centimes. Pas mal, première monnaie de la. Voilà, nouveau son pour moi, dans ce trou ici, à peu près 15 cm de profond, on voit émerger juste ici quelque chose, un espèce de crochet ou je ne sais pas quoi. Là, il fait chaud, il fait sec. Et ça m'a l'air bien sympathique. Je me demande bien ce que ça pourrait être. C'est en bronze, il y a une décoration dessus. Alors si vous avez une idée, parce que là je sais absolument pas ce que c'est, ça, est-ce que c'est peut-être une voilà la terre sèche, on va voir apparaître gentiment les dessins dessus. Voilà, fais une belle photo. Alors si vous avez une idée, je suis preneur. Apparemment ici où à l'extrémité il y a une pièce qui est cassée, sûrement qu'il devait y avoir quelque chose ici à cette extrémité là. Hop, voilà, perdu, facile, filmer à une main, voilà, sympa comme un cœur. Ah, je ferai une photo tout à l'heure.
ici, voilà. On a encore une pièce. Cette fois, je pense que c'est un 5 centimes. Oui. C'est ça, c'est un 5. 5 centimes. Là, c'est noir. Là, ça gronde. On ne sait pas si on va se prendre une rincée. On verra. En tout cas, là-bas, il pleut. Voilà, on a eu quelques gouttes tout à l'heure. Mais pour le moment, c'est stable. Et les mauvaises, bah elles sont là. Alors on a trouvé énormément de mauvaises découvertes. En plus, ça pèse, mais je ne veux pas vous rendre compte. On a un sac Garrette plein. 10 kilos ou c'est quoi, Simon? Non, il n'y a pas 10 kilos. Mais... Enfin si, avec les gros ferreux qu'il y a là. Il y a une manivelle de tracteur. Ici, un Timon de remorque de tracteur. Moi, j'ai mon marteau de tour qui est dans le sac. Voilà. Donc voilà, peu de belles découvertes, mais par contre on a fait une action de dépollution importante aujourd'hui. Ouais. Voilà, fantastique. Alors les paysans ils doivent nous remercier là. Hein. Alors c'est la fin de cette vidéo et moi j'ai pas vraiment trouvé de trucs intéressants. Alors félicitations Massimo. Et moi je ferai sûrement mieux la prochaine fois. Alors là j'ai fait un reportage télé que Massimo a filmé un peu pour montrer. Et c'est un reportage télé pour découvrir la détection avec le service archéologie. Alors surtout cette vidéo, like et commente. Bye!